بسم الله الرحمن الرحيم أقدم لأبناء اليوم مادة الفرنسية Livre Mes apprentissages Unité 5 Semaine 23 Lecture D'abord, on va commencer par lire les mots suivants. Un serpent Une cerise Un ours Un poisson Je reprends la lecture et écoutez bien pour chercher le son qui se répète. Un serpent, une cerise, un ours, un poisson. C'est très bien. C'est le son S. Bien. Maintenant, on va découper les mots en syllabes. Premier mot, serpent. C'est très bien. Serpent. Bien. Deuxième mot, une souris. Souris. C'est très bien. Troisième mot, un ours. Bien. Il y a seulement une syllabe. Un ours. Pour la quatrième image, un poisson. C'est bien pour les syllabes. Poisson. Sans. C'est bien. Maintenant, vous allez prendre la page 54 et vous allez bien mettre une croix dans la case qui contient la syllabe où on entend le son S. Un serpent. Une cerise. Un ours. Un poisson. C'est très bien. Pour la première image, le son S se trouve dans la première syllabe. C'est bien. Le deuxième mot, une cerise. C'est bien. Le son S se trouve dans la première syllabe. Pour la troisième image, il y a seulement une syllabe. C'est bien. Pour la quatrième image, un poisson. C'est très bien. Le son S se trouve dans la deuxième syllabe. Maintenant, on passe à la page 55. Et on va commencer par lire les mots. Après, on va entourer la lettre S. Une salade. Un sabot. Un chat. Un ours. C'est très bien. C'est bien. Oui, c'est très bien. Maintenant, on va lire les syllabes. Ça. Si. So. Su. Ce. Bien. Après, on va lire les mots que nous avons sur la page 55. Une sardine, samedi, une tasse, une bassine, le sol. Maintenant, on va lire le texte. C'est samedi. Samir a mis ses sabots. Il ramasse de la salade. Il y a des taches sur ses sabots. Ils sont sales. Samir est assis sous un parasol. Il lave ses sabots. Bien. Après, vous allez essayer d'écrire la lettre S en respectant les dimensions. C'est bien. Pour écrire la lettre S, je monte un seul interligne. Bien. Et n'oublie pas d'écrire les nombres de 80 jusqu'à 85. C'est très bien. Ça, ce, si, so, su, Samir, la salade.
Le sol. Une sardine. Une tasse. Un parasol. Un stylo. Il lave sa tasse. Il ramasse de la salade. شكرا لابن الأستاذ رقية أسلكاه مع تحية الأستاذ محمد عبدي مدرسة الحكمة المديرية الإقليمية إنزغان أيتملون.